Ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné un présupposé. Voilà, nous sommes en 2066, c'est une femme, elle est amnésique, elle est isolée, connectée, et elle essaye de reconstruire son passé, de comprendre qui elle a été, si elle a aimé, si elle a eu des enfants, voilà, comme toute amnésique. Et là, la seule solution qu'elle a, c'est les données de l'autre, traverser ce territoire de l'Internet, visionner des films, lire des mails, tout ce qu'elle trouve, et parce que ça sera sans doute cette possibilité-là de vie que nous aurons, isolée, connectée, sans pouvoir retourner sur nos paysages d'enfance. Et puis voilà, je suis allée chercher, moi je ne suis pas écrivaine, je n'ai pas d'imagination, donc je suis allée vraiment copier-coller en fait des bouts de vie de femmes, de figures littéraires ou cinématographiques, et d'essayer de croiser tout ça. Par exemple, je sais que Alissa, c'est une partie de Marie dans la trilogie de Jean-Philippe Toussaint en ce qui concerne les larmes, parce qu'il y a des passages très beaux sur les larmes de Marie, les premières larmes de Marie quand elle est amoureuse, et puis 7 ans après, et Toussaint écrit ça au travers du narrateur. Donc voilà, donc Alissa, c'est aussi cette figure littéraire là, mais au travers de la question de l'émotion, des larmes. Voilà, donc je l'ai trouvé dans des journaux intimes de femmes ou de photographes. C'est un peu Lee Miller. Voilà, j'ai vu son documentaire, celui de son fils. J'ai essayé de prendre des faits réels ou des phrases dites par ces femmes et qui avaient à voir avec cette figure qui se construisait peu à peu. Donc voilà, donc cette femme est construite, rien ne m'appartient, enfin je veux dire tout appartient aux femmes qui finalement sont importantes dans notre culture. Voilà. Et du coup, ça me permettait de travailler sur la question des archives, de la mémoire, des données circulantes et du web, enfin ce sera plus le web, mais de ce territoire à distance qu'on aura dans 20 ans, dans 30 ans, avec cette accumulation de données. Et comment... parce que là, on n'a qu'une génération, en fait, même pas. Il y a très peu de morts. Très peu de personnes qui sont nées avec le haut débit et qui ont laissé toute leur vie. Les petits-enfants de 7 ans, oui. Alors quand ils auront 40 ans, ils auront déjà une vie d'adulte. Déposée là, sur ce territoire, ça va être un chaos sublime. Donc voilà, ça me permettait d'interroger ce territoire différemment et de ne pas être embarrassée par une narration ou une fiction que j'aurais dû inventer et je ne sais pas le faire. Il y a abstraction de nos corps réels, tels qu'on les a depuis des milliers d'années, tels qu'on nous demande de les formater, de les modéliser. Et là, bien au contraire, on peut rêver dans un autre corps qui n'existe pas, mais qui existe, c'est une utopie, quoi. Donc l'impression qu'on a quand on arrive sur ces mondes, la première fois et puis les premières heures, c'est justement l'apprentissage d'un corps qui est déjà totalement adulte et que l'autre regarde comme un corps, quoi, et non comme une absence de corps. Il y a la peur aussi, quand on est un peu newbies comme ça, quand on est nouvel arrivant dans un monde et que tout d'un coup on se retrouve dans une des armes permise, c'est-à-dire par exemple la cage, et qu'on ne sait pas comment en sortir, et qu'il y a ce grand loup à côté et qui joue comme ça de cette mise en incapacité de réagir, ça fait peur, ça fait très très peur, et on ne sait plus comment en sortir. Bon, la deuxième fois, on fait un clic droit, on a compris, on fait autre chose, on se téléporte, mais les sensations sont en tout cas bien réelles.
fait, je me suis fait des dossiers avec des discussions, puisqu'il y en a plus de 1000 maintenant. J'ai fait des statistiques par durée. Il y a quelques personnes qui ont parlé entre 1 heure et 2 heures. Voilà, mais la moyenne, c'est 20 minutes. La personne qui n'a pas envie, elle part au bout de deux phrases. Puis les autres, elles s'y amusent, mais là, elle va disparaître le 17 novembre. Mais elle va continuer à exister sur ce projet de bande dessinée avec Alexandre K. Et ça sera une manière de relire toutes les discussions, de comprendre l'autre et de comprendre de quelle manière lui-même, il s'est désigné, quoi. C'est de toute façon, en plus, quelqu'un que je ne connais que au travers de son avatar. Je ne l'ai jamais vu. Mais je travaille avec lui.